Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée, installez-vous bien. Garis manta udali bariza udefaros men aleika. Jera melo, sera mi morejo, suru mi mura iblo, sera vero, gek suru melo, i divini mi nugelo, sera mi mura banashelo, sera mi mole gofer. Udena i filmero, sura mi mogina legevo, jera mi munre i filo, Marika wa Anna Barista Udali Borosa. Rabuni filikin wa ines mali adeta udali man alvalaza. Dallas men edros. Pentari wa ines malika udali moros. Intra fredes in audresto ge in ada. Wa innal malta filis mate idali felko. Seigneur, gloire à toi pour cette nouvelle journée. Connectons-nous maximum, s'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum. Nous allons partager un secret que tout enfant de Dieu doit connaître. Un secret que chaque chrétien devrait connaître. Hein? Je vais partager avec vous sur l'art de parler avec Dieu ce matin. Comment entendre la voix de Dieu, comment parler avec Dieu. C'est très important. Tout le monde doit connaître ce secret. Oh, partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum. Partageons la vidéo au maximum dans tous nos groupes, à tous nos amis, à tous ceux qui nous sont chers.
Invitons-les. Pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de grave, de puissant, de glorieux qui va se passer ce matin. Commençons par prier en attendant nos frères et nos sœurs. Disons merci à Jésus pour cette nouvelle journée. C'est une grâce, c'est un don de Dieu d'être là. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois dans notre église virtuelle, la Rema Facebook Church. Voilà, donc la RFC, Rema Facebook Church. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous ne vous abonnez pas seulement à une page, mais vous abonnez à une source de grâce et de bénédiction. Abonnez-vous. Et partagez la vidéo avec tous ceux qui vous sont chers, tous ceux que vous aimez. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec eux. Parce que c'est quelque chose qui va édifier plus d'une personne. C'est quelque chose qui va mener les gens à briser les barrières pour pouvoir écouter Dieu et parler avec Dieu, maîtriser l'art de parler avec Jésus. Glevas mana dei wa innas pareza antalas managenares inabromer wa naus maros preso. Seigneur, merci. Disons merci à Dieu pour cette journée nouvelle. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Sois glorifié, sois honoré au nom de Jésus. Merci pour cette journée nouvelle que tu nous donnes. C'est un don de Dieu et nous sommes reconnaissants. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais dire à tous nos bien-aimés que méfiez-vous. S'il vous plaît, j'ai des numéros WhatsApp que j'ai donnés ici en direct. J'ai mes numéros WhatsApp que j'ai donnés. Il y a des gens qui maîtrisent mon WhatsApp public. S'il vous plaît, écrivez-moi ça en commentaire. En attendant que Dieu m'aide à enregistrer ça dans ma tête. Donc, j'ai le numéro WhatsApp. Sur Messenger, tous les prophètes Ferdinand et Canet qui vous contactent sur Messenger, ce n'est pas moi. Je n'envoie pas des invitations aux gens. On a tellement de demandes d'amitié, c'est des milliers, des dizaines de milliers de demandes d'amitié. Donc, on ne peut pas laisser toutes ces personnes qui sont en attente pour pouvoir aller envoyer plutôt les demandes d'amitié aux gens. Non, ça n'a aucun sens. Donc, toutes ces personnes qui viennent au nom du prophète Ferdinand et Canet vous demandent des amitiés, ce n'est pas moi. Parce que ces personnes vont toujours finir par vous demander l'argent. Soyons raisonnables. Je cause avec vous et je vous dis envoyez-moi 100 000, envoyez-moi 5 000. Vraiment, entre nous, ce n'est pas normal. Vous comprenez, c'est pas sérieux. Et que vous croyez que oui, c'est le révérend prophète Ferdinand et Canet qui est en train de me demander 5 000, qui est en train de dire que ok, voici l'huile de faveur, envoie l'argent, on va t'expédier l'huile de faveur, nous ne faisons pas ça. S'il vous plaît, honorez au moins ma personne. Soyez quand même intelligents. Ça veut dire que la moindre intelligence voudrait que vous compreniez que l'homme, s'il ne peut pas me demander l'argent, je vais te demander 5 000 pour faire quoi avec? Ou bien 100 000 pour faire quoi avec, sincèrement? Il faut quand même comprendre les gens, la dimension dans laquelle Dieu a amené les gens. Si moi, je vais te demander l'argent, je vais te dire que donne-moi 100 millions. Je ne commence pas 100 millions. Voilà, donne mon numéro WhatsApp 672-1303-23. Ça, c'est le WhatsApp, mon WhatsApp. 672-1303-23. C'est un WhatsApp qui n'est pas toujours disponible. Ça veut dire que l'une des choses qui va vous faire comprendre que vous causez avec moi, c'est mon indisponibilité. Parce que je ne peux pas être omniprésent dans les réseaux sociaux à cause des occupations. Vous me voyez comment je suis occupé. Donc, tous ceux qui viennent là, les profils Zoé Channel, notre profil, c'est celui qui a le plus d'abonnés. C'est-à-dire qu'il faut être un peu intelligent. Quelqu'un vous écrit, allez dans son profil avant de vous engager à causer. Vous regardez, vous tapez prophète Ferdinand et Canet sur Facebook. Vous allez trouver qu'il y a tellement de prophètes Ferdinand et Canet. Moi, ma page n'a pas d'accent. C'est prophète Ferdinand et Canet. Ça n'a pas d'accent. Et nous avons 46 000 abonnés pour le moment. On est à 46 000 abonnés. Je pense que d'ici la fin de la semaine, nous allons atteindre 47 000 abonnés. Donc, vous regardez où il y a plus d'abonnés. Vous savez que ça, c'est la vraie page. Nous sommes en train de travailler. J'ai donné à une société 500 000 francs pour essayer d'officialiser ma page, pour avoir le badge bleu là, qui montre que ça, c'est la vraie page. Et ils m'ont frappé. Donc là, je suis en train de négocier maintenant avec une autre personne pour reprendre la même chose, vous voyez. Donc quand ça sera fait, ça sera très facile de distinguer la vraie page des fausses pages. Donc mais pour le moment, ce qui doit vous faire savoir que ça, c'est une fausse page, il y a des miracles qui accompagnent les fausses pages. Au nom du prophète Ferdinand et Canet, premièrement, c'est qu'ils n'ont pas nos abonnés. Ils n'ont pas 46 000 abonnés. Quand vous avez 46 000 abonnés, ça veut dire que c'est là, la vraie page. Plus de 46 000 abonnés, c'est la vraie page. De deux, s'il vous commence à vous envoyer l'amitié, c'est ça, c'est le signe que c'est une fausse page. De trois, on vous demande l'argent, là-bas, fuyez. Dès qu'on vous demande l'argent, fuyez. C'est ça, ça dit ça, c'est flagrant. Mais des gens ne font que tomber là-dedans, ces pièges-là. Moi,
En tout cas, il y a des choses que je ne veux pas dire ici en public. Donc, voilà un peu cela. Que Dieu vous bénisse. Donc, usons le discernement. Usons le discernement. Donc, mon WhatsApp personnel, tu ne peux pas laisser mon WhatsApp pour aller causer avec moi sur Messenger. Sachant qu'il y a les immondes, c'est la jungle là-bas. C'est très dangereux. Facebook, c'est très dangereux. Il y a tellement de choses que les gens sont capables de faire. Donc, mon WhatsApp personnel, c'est le 672-1303-23. 672-1303-23. Maintenant, il y a des gens qui ont mon WhatsApp et après m'écrivent sur WhatsApp et papa, j'ai causé avec vous sur Messenger, vous m'avez demandé l'argent, j'ai envoyé. Donc, je laisse mon WhatsApp. WhatsApp qui est privé. Je te demande pas l'argent sur WhatsApp, c'est sur Messenger que je vais te demander l'argent. Et toi, tu vas envoyer ça sur Messenger pour venir confirmer sur WhatsApp que je vous envoie l'argent, mais entre nous. Donc, il y a parfois des attitudes qui... Ça dit que, bon, c'est un peu compliqué. Je comprends aussi que les gens ont tellement soif de parler avec moi, tellement soif d'entendre en contact avec ma personne qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi. Mais moi, je te demande l'argent pourquoi? Lorsque nous avons un besoin dans le ministère, c'est dans ma page en direct, en personne. Et je donne des numéros et je donne les noms des personnes habilitées à recevoir cet argent. Je vous donne le nom. Comme la semaine prochaine, nous aurons toute une semaine à prier pour les finances, briser les limitations des finances. Ça sera une occasion pour nous tous de bâtir des hôtels financiers devant l'Éternel. Donc je donnerai en ce moment-là ouvertement, voici comment il faut faire pour ceux qui veulent être une bénédiction pour ce ministère, une bénédiction pour ce que nous faisons, qui veut voir aller de l'avant ce que nous faisons. Voici le caneva. Je donne le caneva et ça se passe dans mon WhatsApp personnel. Ce n'est pas sur Messenger. Hein, sur Messenger, on a des dizaines de milliers de messages. Pardon, je ne peux pas répondre. Même sur WhatsApp, je n'arrive pas à répondre. Il y a des gens qui m'ont écrit, ça fait des mois. Je n'arrive pas à répondre parce que quand j'ouvre mon WhatsApp, après une minute, celui qui vient d'écrire là, il est en bas parce que les messages ne font qu'arriver. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Donc, mon WhatsApp, 672-13-03-23. Je vais allumer ça tout à l'heure. 672-13-03-23. Ça, c'est mon WhatsApp personnel. Voilà. Donc, ne vous faites plus arnaquer, s'il vous plaît. Quand vous voyez le compte Ferdinand, prophète et Canet. Quand vous voyez Ferdinand, prophète et Canet. Je suis fatigué de répéter ça, s'il vous plaît. Vous êtes là dans mon compte. Faites le commentaire dans mon compte. Mon compte Ferdinand, prophète et Canet, il n'y a aucun accent. Mon compte n'a pas d'accent grave, ni d'accent circonflexe, ou d'accent aigu, non. Quand vous regardez, et je vous ai dit, je vous ai donné s'il vous plaît, j'ai dit que regardez où il y a 46 000 abonnés au moins. On est à 46 800 quelque chose d'abonnés actuellement. Donc d'ici peu, on sera à 47 000 abonnés. Donc, voilà un peu, c'est ça la vraie page. Vous entrez, tapez tous les profils, regardez combien d'abonnés, vous regardez le nombre d'abonnés. Où il y a plus d'abonnés, c'est ça. Ok, c'était une parenthèse, mais utile, qu'il faudra refaire tous les jours, tous les jours. Maintenant, nous parlons de l'art de parler avec Dieu. L'art de parler avec Dieu. L'art d'écouter Dieu. Parce que pour parler, il faut écouter d'abord. L'art d'écouter et de parler avec Dieu. C'est ce que je voudrais développer. Et c'est ce mystère que je veux partager avec vous ce matin. Vous savez que l'une des choses principales, l'un des problèmes que chaque chrétien doit avoir, et que moi-même j'ai eu au début de ma foi, c'était le problème de discerner la voix de Dieu. Comment savoir que Dieu me parle? Comment savoir que c'est Dieu qui est en train de me parler? Et au début de ma foi, j'avais tellement soif que Dieu me parle que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je confondais mes pensées à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont point vos voix. » Donc, ça veut dire qu'il y a une grande distinction entre les pensées de Dieu et mes pensées, entre les voix de Dieu et mes voix. Et donc, comment faire pour savoir que ça, c'est Dieu qui me parle? Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mes émotions. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion aujourd'hui. Et il y a trois voix. Il faut savoir que dans l'art de parler, et spirituellement, dans le domaine spirituel, il y a trois voix possibles. Il y a la voix, ma propre voix, ma pensée. Il y a la voix de Satan. Il y a la voix de Dieu. Et lorsque Pierre, Jésus-Christ, va commencer à raconter comment il va souffrir, et comment, après cela, il va mourir et puis il va être crucifié. La Bible dit que l'apôtre Pierre va appeler Jésus, il va l'amener de côté et il va dire à l'apôtre Pierre, il va dire à Jésus que « Seigneur, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera point. » Ça veut dire que tu ne mourras pas sur la croix. Et Jésus dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. » Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il y a deux informations cruciales qu'il faut retenir dans cette déclaration de Jésus. Premièrement, la première information, c'est que Jésus-Christ, lui,
connaît, discerner la voix de Satan et celle de l'homme. Donc il a su que ce n'est pas Pierre qui parlait, mais que c'était le diable qui parlait à travers Pierre. Vous voyez. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la pensée de Satan et la pensée de l'homme. Donc ça fait deux voix différentes. Et Jésus savait que ça, ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, mais là, c'est le diable qui est en train de parler. Donc, parfois, lorsque nous n'arrivons pas à discerner ces trois voix, à faire la distinction entre ces trois voix, parfois quelqu'un peut te dire quelque chose et puis tu t'iriges contre la personne. Tu combats la personne, tu condamnes la personne, pourtant c'est le diable qui était en train d'utiliser la personne. Et tu vas traiter la personne, tu vas combattre la personne comme si c'était la cible. En réalité, pourtant, c'est le diable qu'il faut combattre parce que ce n'est pas la personne qui a voulu poser cet acte. C'est Satan qui a posé l'acte à travers la personne, ou bien c'est Satan qui a poussé la personne à dire. Le diable peut agir à travers une personne. Jésus, lui, l'a discerné cela. Il a compris que ça, ce n'était pas Pierre. Ça, c'est le diable qui le faisait. Donc, Jésus était mature pour discerner la pensée de l'homme, la pensée de Dieu et la pensée du diable. Et ça, vous voyez, ça c'est une grande grâce, c'est une grande maturité spirituelle. Ceux qui sont arrivés à ce niveau sont ceux qui causent avec Dieu. Donc, on ne peut pas causer avec Dieu. On ne peut pas causer avec Dieu tant qu'on n'a pas pu, tant qu'on n'a pas encore eu le discernement de faire la distinction entre mes propres émotions. Parce que il peut arriver, par exemple, dans le domaine du mariage, dans l'église aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Dieu m'a dit que tel est mon mari, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Dieu m'a dit que non, c'est toi ma femme. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Dieu m'a dit que les pentecôtistes avec Dieu m'a dit que c'est la gangrène, c'est le cancer. Dieu m'a dit c'est le cancer du pentecôtisme. Et dans le Dieu m'a dit là, la vérité c'est que en réalité les gens n'ont même pas entendu Dieu. Vous voyez? Merci pour les informations pour avoir le badge bleu. Merci, donnez-moi les informations, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là, faisons-le. Donc, le problème, donc, c'est à ce niveau. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Après, tu te maries avec la personne, là, c'est la catastrophe maritale. C'est le tsunami marital. Et on se demande, mais si c'est vraiment Dieu qui avait dit, comment ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Non, Dieu m'a dit que je dois m'engager dans le business. Et tu dis au frère que non, c'est pas bien, c'est dangereux. Non, Dieu m'a dit. Je me souviens d'une maman que j'avais rendu visite, à qui j'avais rendu visite. Et je l'ai trouvée chez elle. Elle m'a dit que Dieu lui a dit de ne plus préparer la nourriture de son mari. Je lui ai dit, attends maman, que quoi? Elle me dit que Dieu m'a dit de ne plus préparer la nourriture de mon mari. Et son mari, c'était un non-croyant. Je lui ai dit que maman, je ne pense pas que ça, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas dire en même temps que femme soit soumise à vos maris. Et toi, Dieu t'a même plutôt à te révolter. Et puis, elle me dit que, ah, je t'ai dit que c'est Dieu qui m'a dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis parti. Un autre jour, je reviens, je trouve encore la même maman. Elle me dit encore que Dieu m'a dit, je la trouve, elle est couchée par terre cette fois-ci-là. Elle ne dort plus dans le lit avec son mari. Je lui pose la question de sa femme, mais maman, pourquoi vous dormez par terre? Elle me répond que Dieu m'a dit de ne plus dormir dans le même lit avec mon mari parce qu'il y a le démon dans le matelas. Et le jour-là, je n'ai pas supporté, je lui ai dit que maman, écoutez, ça ce n'est pas Dieu qui vous l'a dit. Et l'homme s'il va divorcer de vous, il va vous chasser. Et quelques mois après, le monsieur l'a chassé. Elle a perdu son foyer. Pourquoi? Dieu m'a dit. Dieu n'était pas dedans. Je me souviens qu'à l'époque, nous sommes allés à Limbé. À l'époque, j'étais encore aux assemblées de Dieu. J'étais dans la jeunesse. Il y avait donc une convention des jeunes à Limbé. Nous sommes allés à la convention des jeunes. Quand nous arrivons, il y a un jeune frère qui était en train de causer. Et j'étais à côté, j'ai suivi sa causerie. Je me suis rapproché, je lui dis, frère, raconte-moi bien l'histoire-ci. Il disait quoi? Il dit que, ah, je rends gloire à Dieu pour mes deux Saint-Esprit. J'ai dit que, pardon? Il dit, je glorifie Dieu pour mes deux Saint-Esprit. J'ai dit, quoi, bro? Tu as combien de Saint-Esprit? Il dit, j'ai deux Saint-Esprit. Mais il dit, mais mon Saint-Esprit, il n'est pas très gentil, hein? Je me suis bien rapproché de lui. Je lui ai dit, explique-moi bien l'affaire, si désolé. Il dit que non, mais mon Saint-Esprit n'est pas trop gentil. Je lui ai dit que ton Saint-Esprit n'est pas trop gentil, ça veut dire quoi? Il me dit, non, gars, mon Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le gars là n'est pas trop sérieux, hein? Il a de très mauvaises intentions me concernant. Et je lui dis que comment ton Saint-Esprit peut avoir les mauvaises intentions? Qu'est-ce qu'il t'a fait comme mauvaise intention? Il me dit, ah, est-ce que tu t'imagines que quand je vais traverser la route, mon Saint-Esprit me dit que couche-toi par terre. Le camion là passe un peu sur toi. J'ai dit à mon Saint-Esprit que non, pardon. Si je me couche par terre là maintenant et le camion s'y passe sur moi, le camion là va m'écraser. Et il me dit que mon Saint-Esprit me dit que non, fais-moi confiance. Il ne va pas t'écraser. Il va te redresser juste la colonne vertébrale.
Je dis pardon, il me dit oui. Excusez-moi vraiment, j'aime trop m'asseoir par terre. Donc il me dit oui, mon Saint-Esprit, il me dit non, il n'y a pas de problème. Couche-toi là, je vais redresser un peu ta colonne vertébrale. Et il dit que moi, j'ai dit à mon Saint-Esprit, non, tu veux que je meure. Si je me couche là, le camion là passe sur moi là, je vais mourir. Et il dit que mon Saint-Esprit me dit, non, tu ne vas pas mourir. Essaye, non, si tu ne sais pas, tu sauras comment que tu vas mourir. Et il me dit donc que c'est pour ça que vous voyez souvent que quand je traverse la route, quand une voiture vient, vous voyez comment j'embrasse le poteau électrique fort là. Parce que mon Saint-Esprit me pousse d'aller me coucher. Je lui ai dit que bro, ça ce n'est pas le Saint-Esprit là-bas. Et je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Il faut que j'enseigne sur le Saint-Esprit. Après la semaine prochaine, on va parler du Saint-Esprit de long en large. Les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, le parler en langue, toutes ces choses-là, on va revenir là-dessus. Parce que c'est utile. Donc il dit que son Saint-Esprit lui dit de se coucher. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, bro. Là-bas, là, c'est l'esprit de suicide. C'est un démon de suicide. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier, c'était en Bankima à l'époque, à la CMCI. J'étais en train de prier. On était en train de faire la réunion. Il y avait une soeur à côté de moi qu'on appelait la soeur Élise. Et donc, elle était en train de prier. Et elle priait comment? À Choco. Sabara. Sabara. Et je lui ai demandé, après je l'ai tapoté, je lui ai dit que sœur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle me dit que tu ne sais pas. Je lui ai dit que si tu ne me dis pas, je saurais comment. Elle me dit que je parle en langue, non? Je lui ai dit, je ne savais pas, je croyais que tu as mangé le piment le matin avant de venir à l'église. Elle me dit, ok, comment tu peux dire ça? Je lui ai dit, parce que je fais, je sais pas. J'ai cru que c'est le piment que tu avais mangé. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas comme ça. On va revenir sur ça. Ce n'est pas le coup du parler en langue. Ce n'est pas le coup de glossolalie que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Donc, bien aimé, le fait que Dieu m'a dit que, je vous dis la vérité, parfois je suis sans Dieu m'a dit que Dieu n'a jamais rien dit. C'est ça que même les païens, comme le philosophe Montaigne, ont remarqué cela parmi nous. Et Montaigne déclare que à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. C'est ça la réalité. Puisque Dieu ne viendra jamais dire que non, moi, je n'ai rien dit, moi si. Et Dieu se sort de temps en temps dans son trône. Alors on dit, Dieu m'a dit, Dieu dit, hey, moi, non. Un frère est allé voir une soeur. Il lui dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. La soeur lui dit que non, je ne veux pas. Il dit que tu es qui pour résister à la voix de Dieu? Dieu me dit que tu es ma femme. Toi, tu oses t'opposer, tu es malade. Hein? Un bouton est dévissé dans ta tête. Et tu as quelque chose déboulonné dans ta tête là. C'est quoi ça? Tu es ma femme, au nom de Jésus. La soeur se met à pleurer. Elle dit, ma vie. Et le frère lui dit, ta vie à quoi? Hein? Mais s'il y a quoi? Le Seigneur est bon. Hein? Dieu m'a dit que je vais t'épouser. J'étais en retraite spirituelle. Et j'ai vu une vision. Tu étais vêtu de blanc et moi en costume noir. Et non, du Seigneur est descendu. Il m'a dit, mon frère, voilà ta femme. Et je viens ici, tu veux me raconter quoi comme ça là? Non, tu es ma femme. La soeur pleure. Elle dit, je pleure ma vie. Il dit que même si c'est quoi ta vie à n'importe quoi, je m'en fous. Je m'en fous de ton passé. Ce qui est important, c'est ton présent et ton avenir. Je t'aime, bébé. Je t'aime, ma petite, ma pagna. Et elle pleure de ma vie. Il t'a vu à me quoi? Il dit, raconte. Comme tu veux parler, parle. Il n'y a pas de problème. Raconte-moi ta vie. Oh, mais après ça, on doit vite prendre la date. De s'entendre pour la date, je dois aller toquer la porte. La fille dit que quand j'avais 15 ans, j'avais d'accouché avec 100 hommes. Il dit, pardon. Elle dit, oui, à 15 ans. Il y avait d'un sang sur moi. J'avais couché avec eux. Il s'assoit bien. Il dit que vas-y, je t'écoute, parle. Et puis la fille lui dit que vraiment, j'ai le VIH. Il dit que mazouga gagaga. Le gars parle en langue, il s'arrange encore bien. Il dit que vas-y. Et la fille dit que elle a raconté un certain nombre de choses. Après, elle lui dit que j'allais à l'hôpital, on m'a visité, j'ai toutes les maladies vénérielles. Le gars dit gagagou, gou, 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 gigigi. Il parle en langue, il se rapproche un peu de la porte. Et puis, la fille dit qu'elle pleure, elle était détournée, elle ne regardait pas. Et la fille lui dit que, avant tu es seul à l'hôpital, le médecin m'a dit que j'ai un cancer du col de l'utérus à cause de l'excès de rapports sexuels et que je n'ai plus que 3 mois à vivre. Qui a dit 3 mois à vivre? C'est qui a-t-il attaché la fille? Elle attaque et se fait bam! Le gars avait claqué la porte. Le gars est sorti en parlant là, maga zou zou zou, gaga go 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 go, saga go go go. Et il a fermé, ça dit, a dit go go go. Et il a fermé la porte, bam! Le gars s'est sauvé. Mais là, va l'attraper, tu lui demandes, il va te dire que
Non, Dieu ne m'avait pas dit l'autre là. Donc, c'est quel notre Dieu commet les erreurs. Il n'a pas toutes les informations sur les gens. Non. Un jour, l'un de mes fils est venu. Il me dit, papa, vraiment, Dieu m'a dit que ça, c'est ma femme. Je lui ai dit qu'attends, moi, je connaissais un peu le dossier de la sœur. Je lui ai dit que non, vraiment, cherche une autre femme. Bah, c'est nos enfants. Quand tu vas dire à l'enfant que non, ne va pas là-bas, l'enfant va croire que tu es jaloux de lui. Jaloux de toi, quoi? Tu as d'abord quoi pour qu'on soit jaloux de toi? Non, pardon, papa, je ne peux pas. Dieu m'a dit que c'est elle, ma femme. Or, lui, il avait 22 ans. La fille était bastoche. Elle avait près de 40 ans. Je lui ai dit, ok, comme tu dis que Dieu a dit et je te parle, tu ne veux pas écouter, va alors. Et il est parti. La fille a été d'accord. Un jour, la fille lui donne son âge. Le gars revient et me dit que Dieu avait oublié de me donner l'âge. J'ai dit que tu vas l'épouser. Le gars dit que non. J'ai dit que je vais marier Maria. Je vais marier Sep Sep. Il a dit non. Donc, je lui ai dit, regardez, vous avez tellement dit, Dieu m'a dit. Pourtant, Dieu n'a rien du tout. Il n'a rien à voir là-dedans. Donc maintenant, comment faire pour discerner la voix de Dieu? Comment l'art d'écouter Dieu? Parce que c'est d'abord ça qu'il faut qu'on parle. L'art d'écouter Dieu. Et l'art de parler Dieu après. L'art d'écouter Dieu. L'apôtre Paul nous a montré les secrets. Comment faire pour écouter Dieu? C'est très simple hein? Et compliqué en même temps. Je vais vous donner deux secrets pour écouter Dieu. Il y a deux secrets, deux versets bibliques. Romains chapitre 10, verset 17, Apocalypse 1, verset 10. Si vous étudiez profondément les deux versets-ci, et dans le grec, dans le texte grec, la version grecque, vous comprendrez si vous ne comprenez pas en français. Votre manière, je vous dis la vérité, vous allez rester comme ça, vous entendez Dieu parler. Dieu va vous parler, vous allez entendre la voix de Dieu, comme vous entendez ma voix maintenant. Maintenant, lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, l'apôtre Paul a tellement, je vais vous enseigner sur parler avec Dieu, l'art de parler avec Dieu. Après, je vais vous enseigner sur l'art de voyager jusqu'à Dieu, jusqu'au royaume de Dieu. Je vais vous montrer comment faire pour voyager. Tu voyages, tu pars là-bas. Quand tu arrives là-bas, du haut de là-bas, tu vois des choses qui vont arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça le mystère du christianisme. Là, maintenant, c'est le vrai christianisme. C'est le vrai christianisme. Bon, maintenant, quand nous lisons Romains 10, verset 17, et je vous avertis, si vous lisez le passage en français, vous ne comprendrez rien. Tu lis le passage en français, tu ne comprendras rien. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà ce que le français dit. La foi vient de ce qu'on entend. Hein? Il dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour beaucoup de personnes se disent que ça veut dire quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis convaincu. C'est pour la question que chacun dise. Hier, j'ai parlé et beaucoup de personnes trouvaient le prophète. Donc, Dieu a utilisé le visage pour me parler dans la révélation et je leur ai écrit inbox. J'ai répondu, j'ai donné les félicitations sur Messenger inbox. Maintenant, quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il y a beaucoup de personnes qui disent, interprètent, j'ai suivi même des prédicateurs, interprétés, que ça veut dire que la foi vient de la prédication que j'écoute, de la parole de Dieu que j'écoute. Oh, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens savent que je vais aller écouter la parole de Dieu à l'église parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu là, c'est les messages que j'écoute. C'est les enseignements que les hommes de Dieu me donnent. Non, c'est très faux. C'est une hérésie. C'est une mauvaise manière de comprendre. C'est une mauvaise façon de comprendre. Ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul disait dans le texte grec. Maintenant, qu'est-ce que le grec dit? Voici ce que le grec dit. Il dit, ara, hepistis, ex akoes. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Hede akoe, dia rematos Christo. Et, ce qu'on entend de la parole de Christ. Laissez-moi d'abord dire ça. La parole de Christ. Il dit, ara, hepistis, ex akoes. Or, la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Hede akoe dia, et ce qu'on entend, dia rematos Christo. Et si on entend la parole, le français dit ce qu'on entend, la parole de Christ. Or, il y a deux mots fondamentaux que le français n'a pas expliqué. Deux mots que le français n'explique pas. Parce que nous ne pouvons pas le faire. Parce que sur le plan philologique et sur le plan sémantique et polysémique, le grec est plus riche que le français. Le grec est plus riche que le français sur le plan polysémique, c'est-à-dire la polysémie.
C'est-à-dire que le grec a plus de sème et plus riche en sémantique que le français. Donc, maintenant, je vais expliquer. Il dit « arapistis, ex akoes ». La foi vient de ce qu'on akoes. C'est là le nœud du problème. La foi vient de ce qu'on entend. Et entendre ici, c'est akoes, akouo en grec. Maintenant, le mot akouo, le verbe akouo, qui veut dire entendre, ici, fait référence aux oreilles spirituelles. Akouo, akouosin, akouo veut dire entendre dans le spirituel, dans le règne de l'esprit. C'est des oreilles spirituelles, ce n'est pas les oreilles physiques. Akouo veut dire entendre dans le spirituel, entendre le langage de Dieu. C'est la capacité d'entendre la voix de Dieu et de comprendre le langage de Dieu ou bien la langue céleste de Dieu, la langue naturelle de Dieu. C'est ça akouo. Akouo, c'est ceux qui ont la capacité d'entendre Dieu parler où l'homme charnel ne peut pas entendre Dieu parler. Et l'apôtre Paul explique donc que la vraie foi vient de ce qu'on entend sur le plan spirituel. Donc si quelqu'un n'a pas l'entendement spirituel, les oreilles spirituelles, il ne peut pas entendre Dieu. Donc pour comprendre et entendre Dieu, pour écouter Dieu, il faut déjà avoir des oreilles spirituelles. Tant qu'on n'a pas les oreilles spirituelles, on n'entendra pas Dieu. Donc on entend et on comprend ce que Dieu dit. On entend et on comprend pourquoi? Parce que lorsqu'on atteint le degré du akouo, on a la capacité de comprendre Dieu parce qu'on l'entend parler. Or, Dieu peut parler si personne ne l'entend. Souvenez-vous lorsque Paul allait sur le chemin de Damas. Quand la gloire de Christ s'est révélée, ceux qui étaient avec lui ne voyaient rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, à lui, l'entendement spirituel avait été donné. Il pouvait entendre, il dit des paroles ineffables. Et je vais vous parler de ça. Des paroles ineffables. Ces paroles-là, aucun homme ne peut les entendre, d'abord les percevoir. Donc Dieu peut parler, la personne entend. Si tu n'as pas l'entendement spirituel, si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne peux pas entendre. Il dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Arahepistis, ex akoes. La foi vient de ce qu'on akouo. Et cet akouo, c'est Dieu qui donne cette capacité de savoir que Dieu est en train de parler ici. Donc, Dieu peut parler, personne n'entend. Dieu peut parler à toute une génération. Mais s'il n'y a pas de prophète, personne n'entendra que Dieu est en train de parler. On ne saura même pas que Dieu a parlé. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas les oreilles spirituelles qui permettent d'écouter, d'entendre quand Dieu parle. Ce n'est pas une personne à qui on a coupé les oreilles. Et on a bouché les oreilles. Si on parle, elle ne saura pas que quelqu'un est en train de parler. Les sourds n'entendent pas. C'est pour ça qu'on peut parler, le sourd, il est normal. Tu lui dis, va prendre tes choses, il ne fait rien. Viens, il ne vient pas. Va, il ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas, c'est la même chose. Celui qui n'a pas eu les oreilles spirituelles ne peut pas entendre Dieu. Même si Dieu parle, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des oreilles spirituelles. Donc, ici, quand l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas compris la foi. Quand vous lisez, par exemple, Romains, Hébreux 11, verset 1, la foi vient de ce qu'on entend. Non, il dit, oh, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, Hébreux 11, verset 1, n'explique pas bien la foi. Non. Pour connaître ce que c'est que la foi, l'apôtre Paul explique clairement ce que c'est que la foi. La vraie définition de la foi, c'est Romains 10, verset 17 qui la donne. Il dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend dans l'esprit. Akouo, c'est la capacité d'entendre dans l'oreille spirituelle la voix de Dieu et de comprendre ce que Dieu dit. C'est la capacité spirituelle, l'habileté spirituelle que Dieu donne à un homme de comprendre le langage de Dieu, de parler la langue du ciel, si vous voulez, et de la comprendre. C'est un peu comme quelqu'un qui parle le Wondo. Vous voyez, le parler en langue aujourd'hui, c'est la capacité de parler des langues que nous n'avons pas apprises à l'école. C'est la même chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité spirituelle d'entendre les langues du ciel. Donc la personne, je vais vous montrer ça avec la suite de l'enseignement. Je peux rester ici, j'entends comment les anges parlent au ciel et je comprends ce que les anges disent. C'est la réalité. J'ai dit à quelqu'un que lorsque moi je parle en langue, je comprends ce que j'ai dit en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues, c'est la capacité d'accourir dans le règne de l'esprit la langue du ciel. C'est-à-dire que les langues de toutes les familles du ciel, tu comprends. Quand toutes les familles du ciel s'expriment, tu sais. Vous savez, il y a plusieurs familles dans le ciel. Tu sais, quand les anges parlent, tu entends. Et tu sais, quand les 24 vieillards parlent, tu comprends ce qu'ils disent entre eux. Lorsque Dieu parle, tu comprends ce que Dieu dit. Or, celui qui n'a pas
reçu les oreilles spirituelles pour Akuo. Lui, même si Dieu parle, il n'entend même pas d'abord pour ne pas comprendre. C'est-à-dire, il n'entend même pas. Il n'entend pas que Dieu est en train de parler. C'est pour ça que Dieu, la voix de Dieu peut tonner comme des éclairs et des tonnerres dans une génération. Mais s'il n'y a personne qui soit un interprète, il ne peut pas. Personne ne pourra savoir que Dieu a parlé à la génération. C'est ça, il dit, au jour favorable, je vous ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Toi-même, Dieu peut te visiter. Dieu peut te donner une révélation pour ta génération. Mais si tes oreilles spirituelles, tu n'en as même pas déjà. Tu es sans oreilles. Comment tu vas savoir que Dieu t'a parlé? Dieu t'a visité, le jour de ta visitation est venu et s'est passé. Dieu t'a parlé, mais tu ne l'as jamais su parce que tu n'as même pas les oreilles. Je ne veux même pas dire que tu as les oreilles, tu es sourd. Mais les oreilles, tu n'as pas. C'est ça la vérité. Donc, l'apôtre Paul dit que la foi ne vient pas de moi-même. La foi vient de ce que j'ai entendu dans l'invisible. Ce que j'ai entendu dans l'oreille spirituelle. Ce que j'ai entendu chez Dieu. C'est là la vraie foi. Donc, toute foi, toute chose que tu te lèves dans ta vie pour faire, pour entreprendre, sans avoir entendu de Dieu, n'est pas la foi. C'est pour ça que nous échouons. Tu dis non, j'ai cru, j'ai eu foi, mais ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi ne vient pas d'elle-même. Elle ne naît pas du néant. Elle naît de ce qu'on entend. Et il dit, ara, hepisis, ex akoes. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu n'as pas entendu, ce n'est pas la foi. Donc ne t'engage pas à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que certaines personnes, par imitation, vont marcher sur l'eau. Ils disent, je vais marcher sur l'eau. Et l'eau les a avalés, ils sont morts. Il y a certains qui ont pris le serpent. Je viens passer aux États-Unis, qui a osé prendre le serpent parce que la Bible a dit qu'ils saisiront le serpent et ne feront aucun mal. Il a saisi le serpent. Le serpent l'a mordu, il est mort en direct sur Facebook. Oui, pourquoi? Parce que, en réalité, ce n'est pas parce que la Bible dit qu'il faut t'engager. Non. Il faut que tu aies à coercer quelque chose. Il faut que Dieu te parle par rapport à ça. Et là, tu sais que tu te lèves et ta foi est basée sur ce que tu as entendu. Il dit, ara hepistis, ex akoes. La foi vient de ce qu'on entend. Hede akoes dia rematos Christus. Hede akoes dia rematos Christus. Et ce qu'on entend du réma de Christ. Du rématos de Christ. Maintenant, il faut comprendre, il y a quelque chose là-bas. C'est très important, il y a un mystère dedans. L'apôtre Paul dit que la foi vient de la capacité spirituelle qu'on a d'entendre le langage de Dieu. Et ce langage-là, cette foi-là, le langage de Dieu que j'entends, c'est quoi? C'est le rématos. Le rématos, c'est quoi? C'est la parole parlée de Dieu maintenant. C'est la parole parlée de Dieu qui me parle. L'apôtre Paul explique que celui qui entend, qui se lève pour dire j'ai la foi, qui marche par la foi, c'est le résultat, c'est la résultante, c'est la rémanence, c'est la réminiscence, c'est la conséquence, c'est la réverbérance de la capacité d'entendre Dieu, de comprendre Dieu et de recevoir de Dieu des rématos. Maintenant, le rématos, c'est quoi? C'est la parole parlée de Dieu pour toi. C'est que Dieu te dit maintenant face à une situation. C'est ça qui produit la foi. La foi ne vient pas de rien. Tu ne te lèves pas pour dire, ok, je crois en Dieu, je me lève pour aller faire des choses. Non. Tu dois attendre, entendre quelque chose de Dieu, une instruction personnelle, singulière de Dieu spéciale pour toi dans telle situation. C'est ça qui doit engendrer la vraie foi. Donc la vraie foi ne vient pas de rien, elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas du néant, elle vient de ce que Dieu t'a dit, les rématos de Christ. Donc ici, l'apôtre Paul ne disait pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, la parole là, ce n'est pas la parole prêchée. Non, ce n'est pas la parole prêchée. Parce que j'ai expliqué quelque chose. Il y a plusieurs logos dans la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le logos sarx. Le logos sarx, c'est quoi? Le logos sarx, c'est la parole faite chair. C'est Christ. Jésus-Christ est ce qu'on appelle en grec le logos sarx. La Bible dit par exemple dans Matthieu 1, verset 23. Il dit, « Ho paternos engasi exei. » Kai texetai uyon, kai kalesusin to onoma auto Emmanuel, ho estimetermeno, omenon, met hemon, hoteos. La Vierge sera enceinte dans son ventre, et elle portera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie en métonomasie, Dieu au milieu de nous sous une forme humaine. Donc, c'est ça qu'on appelle le logos sarx. C'est met hemon, hoteos. Dieu au milieu de nous sous une forme humaine, une forme charnelle. On appelle ça le logos sarx. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le logos grammatos. Le logos grammatos,
C'est la parole. C'est la parole écrite. C'est la Bible. Ça, c'est le logos grammatos. C'est la Bible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le logos homologeios. Le logos homologeios, c'est la capacité de transformer, c'est la capacité de transformer la parole. Ça dit que logos sarx egeneto. Et la parole fut faite chair. Vous voyez. Logos sarx egeneto. Et la parole fut faite chair. Donc, le logos homologeios, c'est la capacité d'homologeio. Le logos, c'est-à-dire le rhématos que tu as pour en faire un logos sarx. Ça veut dire quoi? Dieu te donne une promesse et puis tu transformes cette promesse en réalité. C'est la capacité de ramener de l'invisible au visible, la promesse de Dieu. Par exemple, Dieu te dit que tu auras un enfant et tu es stérile. Quand Dieu te dit que tu auras un enfant, et nous, on ne voit pas cela. C'est ta promesse là-bas. C'est encore un rhématos ou un rhémata ou un rhéma. C'est un rhématos pour toi. Donc, le rhématos est encore invisible. Le rhématos, il est... Comment je vais expliquer cela? Il est immatériel. Maintenant, tu dois homologuer le rhématos, la parole que Dieu t'a dit directement. Tu dois la transformer. Tu dois la proclamer. Tu dois la salmodier. Tu dois la changer. Tu dois la métamorphoser pour qu'elle devienne visible. Elle devienne un logos arx. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça le problème. L'apôtre Paul dit donc que la foi ne doit pas venir des prédications. Non, il ne parle pas du logos grammatos. Ici, c'est que le français vous a expliqué en disant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu là. Parole de Dieu là, en grec, c'est rhématos. Or, rhématos, ce n'est pas la prédication. Non. Ce n'est pas la prédication de l'évangile. Là-bas, c'est le logos kérougma. Le logos kérougma, c'est la parole proclamée. Ça, c'est le logos kérougma. Il ne parle pas du logos kérougma. Non. Il parle ici du rhématos, qui est la parole que Dieu te dit personnellement face à une situation. Maintenant, cette parole, quand tu la reçois, tu dois l'homologuer pour en faire un logos sarx, pour donner une parole qui devient chère. C'est-à-dire que la parole prend chair dans ta vie, elle devient visible par tout le monde. Donc, c'est un peu ça. De l'apôtre Paul, vous verrez que le grec et le français disent deux choses différentes. L'apôtre Paul dit d'abord que la foi vient de ce qu'on entend. Et entendre ici, il s'agit d'avoir des oreilles, la capacité spirituelle de causer avec Dieu. Donc, je peux rester là avec vous et Dieu est en train de me parler. Toi, tu ne sais pas que Dieu est en train de me parler. J'ai dit seulement oui, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont parfois confuses quand elles sont avec moi. Parfois, il reste comme ça, je salmodie. Quelqu'un se rend compte que je suis en train de parler. Tu vois quand je prie, je parle avec le Seigneur. Quand vous atteindrez la capacité d'akouo, vous causerez avec Dieu. Là, tu causes avec Dieu, hein, simplement, comme tu causes avec quelqu'un. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Il y a un degré de relation avec Dieu où tu peux entendre Dieu facilement. Quand Dieu me parle, maintenant, les prophètes, aucun prophète ne peut prophétiser s'il ne peut pas accoucher la voix de Dieu. Pour prophétiser, il faut avoir la capacité d'entendre Dieu. C'est ça qui est important. Quand je te regarde et Dieu me parle sur place, mes amis, ce que tu reçois là, c'est ça qu'on appelle les rhématos. Tu reçois des rhématos et des apocalypseos. Apocalypseos, ça dit des révélations sur la personne. Et puis tu partages. Maintenant, lorsque tu as eu la capacité d'entendre, d'accouer, tu peux maintenant comprendre Dieu. Si Dieu parle, tu sauras que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais, il y a une condition. Pour accouer ou accouer la voix de Dieu, pour être capable d'entendre la voix de Dieu, acquérir les oreilles spirituelles, il y a un endroit où il faut aller. Il y a un lieu où il faut aller. Tant que tu n'arrives pas dans cet endroit, tu ne peux pas, tes oreilles n'entreront pas. Tu ne recevras pas des oreilles. Il y a un lieu où il faut que tu ailles. Et ce matin, je prie, on va voyager ensemble. Nous allons tous voyager. Je vous dis la vérité, on va voyager ensemble. Donc, vous voyez, lorsque je prophétise, par exemple, je vais donner mon exemple. Vous allez remarquer parfois que j'incline la tête ou bien je ferme les yeux. Je suis en train de recevoir d'akouo. En train d'akouo. Vous voyez, parfois, il demande, Seigneur, elle s'appelle comment? Ou bien, il s'appelle comment? Ou son père s'appelle comment? Sa mère s'appelle comment? Vous voyez, c'est important. L'homme avec qui elle vit s'appelle comment? C'est important. Je suis en train d'akouo. Et Dieu me parle sur place. C'est ça qu'on appelle les rhématos, les apocalypseos. Je reçois ça sur place. Maintenant, tu ne peux pas recevoir ça étant n'importe où. Ce n'est pas possible. On n'entend pas la voix de Dieu n'importe où. Non, non. Il y a un endroit. Si tu n'arrives pas là-bas, et c'est là-bas la difficulté. C'est là que ça devient parfois compliqué et intéressant aussi en même temps. Il y a un lieu où il faut aller. Il y a un endroit où il faut arriver. Et cet endroit, c'est là que Apocalypse chapitre 1, verset 10, répond à la question.
Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 10, qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Il dit, et genomen en pneumatien, te kuria ke emera. Il dit, et kousa opisomu, fonen, megalen, hosalpigos. Il dit, et genomen en pneumatien, te kuria ke emera. Et je fus transporté. Et je fus transporté dans le Saint-Esprit. En grec, lorsqu'on dit egenomen, en pneumati, ça veut dire dans le Saint-Esprit. J'ai l'habitude d'expliquer que ça veut dire que entrer dans le Saint-Esprit comme un passager entre dans un avion. Le Saint-Esprit devient ton avion, ton moyen de transport. Egenomen, en pneumati en grec. Ça veut dire que je me suis assis dans le Saint-Esprit comme un passager s'assoit dans un avion et puis le Saint-Esprit est mon moyen de voyage pour voyager. Egenomen, en pneumati. Donc il faut une complicité profonde avec le Saint-Esprit, en sorte que le Saint-Esprit devienne ton avion spirituel qui t'amènera quelque part, dans le lieu où nous sommes en train de parler. Il dit, et genomen, un pneumati, un te kuria ke emera. Je fus transporté dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Kuria ke emera. Emera veut dire la grande lumière de Dieu. Emera veut dire en grec le jour, mais ça veut aussi dire la lumière inaccessible de Dieu. Je fus transporté par l'Esprit jusqu'à la présence inaccessible de Dieu. Et il dit, écoute, au pire, son mou, fonen megale. Et j'entendis derrière moi une voix puissante, hosalpigos, comme celle d'une trompette. Donc, il faut être ami du Saint-Esprit. Et être ami du Saint-Esprit, c'est quoi? Passer le plus gros de ton temps avec le Saint-Esprit. À prier en langue, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois commencer par demander le baptême dans le Saint-Esprit. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Et voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Il s'agit de cela. Dans Actes chapitre 1, verset 1, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 que quand l'Esprit, dans Actes 2, quand l'Esprit est descendu, il se mit à parler en langue. Donc le parler en langue est la base d'écouter Dieu. C'est le commencement de toutes choses. Il faut d'abord commencer par demander à Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Et je parle du vrai baptême dans le Saint-Esprit et du parler en langue authentique. On va revenir dedans. Ce n'est pas le bobo chakaraba. Tu ne peux pas entrer dans une église, tout le monde parle la même langue. Il y a un problème quelque part. Non, quelque chose ne va pas. Le parler en langue est clair. Il est distinct. Je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas le coup de la glossolalie aujourd'hui. Donc, premièrement, il faut d'abord que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu développes une amitié profonde avec l'Esprit de Dieu. Ma relation avec le Saint-Esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Non, c'est depuis mes 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, que j'ai connu Jésus. Frère, je priais depuis ce temps-là. Je prie sans fin. Je prie continuellement. Je prie incessamment. C'est-à-dire que quand je rentrais à l'école, parfois même, vers 15h, 14h, déjà les derniers cours-là, quand le professeur enseignait, je ne comprenais plus ce qu'il disait. Ma tête, je voulais juste aller à l'église, prier en langue. Et je m'agenouais à l'église. Je viens avec mon sac, je vais à l'église directement. Je mets à genoux, je parle en langue pendant 3 heures de temps. 3 heures de temps, je parle en langue. Ou parfois, je me mets à genoux à 19 heures. Je parle en langue jusqu'à 6 heures du matin. 6 heures du matin, je parle en langue. C'est ça qui a apporté la complicité avec l'Esprit de Dieu, en sorte que, lorsque, comme il n'y avait pas de téléphone à l'époque, quand je voulais aller rendre visite à quelqu'un, j'ai demandé à mon ami le Saint-Esprit, est-ce que la personne est là? Et puis le Seigneur me disait, oui, elle est là-bas. Oui, le Saint-Esprit me disait, ne va pas, il n'est pas là, il vient de sortir, il va rentrer à 14 heures. Parfois, je m'amusais à aller vérifier et la personne n'était pas là, elle revenait à 14 heures. Seigneur, qu'est-ce que le professeur va donner? Le Saint-Esprit dit, ok, en géographie, voici ce qui va arriver. En science, voici ce qui va arriver. En philosophie, voici ce qui va arriver. Et c'est exactement ça qui arrivait, l'amitié avec le Saint-Esprit. Donc, il faut développer cette amitié, cette relation avec l'Esprit de Christ. Il faut passer beaucoup de temps avec l'Esprit de Dieu, éviter les distractions de la terre. Évite les distractions. La télévision, les réseaux sociaux, ces choses-là, les immos, etc. sont autant de choses qui peuvent t'éloigner de la communion de Dieu. Dans tous les cas, tu dois être toujours dans la prière, toujours à parler. Parle avec Dieu. Parle. Il dit, l'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Donc, il faut apprendre à parler avec Dieu. Parle avec le Saint-Esprit, je t'aime. Même quand tu veux t'habiller, Saint-Esprit, je porte quoi? Tu vas aller au magasin, dis Saint-Esprit, je suis en train de sortir, accompagne-moi. Quand je vais prêcher quelque part, je dis toujours, Esprit de Dieu, accompagne-moi. Tu viens avec moi ou pas? Si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. J'appelle là-bas, je leur dis que je ne viens pas.
Donc, tu dois être complice, même la nourriture que tu dois préparer. Saint-Esprit, je mange quoi aujourd'hui? Quand tu veux préparer, Seigneur, aide-moi à préparer bien. Je dois mettre quel condiment? Quand tu veux t'habiller, Seigneur, je m'habille comment? Quel vêtement veux-tu que... Donc, c'est ça la complicité avec l'Esprit de Dieu. Tu dois comprendre d'abord ça. Il faut que toi et l'Esprit de Dieu, vous ayez une relation privilégiée. Sinon, tu ne peux pas voyager. Sinon, tu n'arriveras pas au jour du Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut t'amener au jour du Seigneur. C'est lui qui t'amène au jour du Seigneur. Donc, Pierre, Paul, Jean dit... Et que nous avons un peu de matière, un peu de courrier qui aimera. Il dit, écoute, son pis, son mou, fon en mégalène. Et j'ai entendu derrière moi une voix puissante. Au jour du Seigneur. Tant que tu n'es pas arrivé au jour du Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. C'est quand Jean arrive au jour du Seigneur qu'il commence à entendre. Donc ça veut dire que les oreilles spirituelles, même les hommes de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu, qui dans le ministère aujourd'hui ont des difficultés, ne comprennent pas, n'arrivent pas à prophétiser, n'arrivent pas à entendre Dieu, et, ou bien interroger Dieu et tout cela, il faut savoir que tout ça se passe dans le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est la présence abondante de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la lumière inaccessible. C'est avoir accès à la lumière inaccessible de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut arriver là. Et c'est l'Esprit de Christ qui doit t'amener. C'est ça qu'on appelle les voyages de l'Esprit. Les voyages dans l'Esprit. L'apôtre Jean est sur la terre, dans l'île de Patmos. Mais il se retrouve au ciel. Le monsieur est au ciel, frère. Est-ce que vous vous imaginez même, frère? Ça dit quand on parle du christianisme, « Oh Seigneur, pitié de moi. » Je suis malheureux, Seigneur. Je suis malheureux. Nous sommes dans une génération tellement, ça dit qu'elle est tellement illettrée dans les choses spirituelles. Frère, il y a eu des gens qui voyageaient, ils partaient au ciel. Ils sont sur la terre. Ils vont au ciel. Voici la preuve. Apocalypse 1, verset 10. L'apôtre Jean allait, il dit, Egonomen, impnomatien, te kuria kemera. Il dit qu'il est allé dans le royaume de Dieu. Jean est allé dans le royaume de Dieu, étant un homme. Il visitait le royaume du ciel. Il entre au ciel, dans la présence de Dieu, dans son pays, que nous irons là-bas après le grand jugement du trône blanc, le jugement béma, d'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Nous, on n'a pas accès là-bas. Mais il y a des gens qui ont eu accès là-bas, étant vivants. Ils allaient se promener au ciel. C'est des chrétiens comme vous et moi. C'est un défi pour chacun de nous. Ils allaient au ciel, au pays de Dieu. Ils voyaient Dieu. Ils voyaient les 24 vieillards. Ils voyaient toutes les familles du ciel. Et il parlait le langage du ciel, c'est-à-dire que quand l'apôtre Jean arrivait au ciel, il cause avec les anges. Il cause avec les anges bien-aimés. Il entend la langue du ciel, la langue du royaume. Qu'est-ce que, je ne sais pas, Seigneur, si les gens me comprennent. Et Seigneur, aide-nous à comprendre. Frère, je suis en train de dire que moi, je suis Camerounais, je suis au Cameroun. Dieu a son pays. Actuellement, Dieu a son pays. Il est dans sa gloire. Il y a les 24 vieillards qui entourent son trône, etc. Toutes ces choses-là, si Jean n'avait pas vu, s'il n'était pas allé là-bas, on n'aurait pas vu cela. Mais il dit quelque chose de grave. Oh, je vais me lever, je ne sais pas même où. Il dit quelque chose de grave. Il dit, Egenomen, un pneumati, un te kuria ke emera. Écoute, son pisse, mon fond est mégalé. Il dit, je suis allé. Il dit, un te kuria ke emera. Au jour de mon Seigneur, dans la présence de Dieu, kuria ke emera veut dire, dans le royaume de Dieu, sa présence là-bas, au ciel, où il habite, que je ne connais pas. Jean allait là-bas, il se promenait là-bas. Jean lui partait là-bas, vivant, il partait là-bas. L'Esprit de Dieu l'a mené là-bas. Il y a des gens qui partent au ciel. Ils vont passer le temps au ciel avec Dieu, ils reviennent sur la terre. Où sont ces dimensions aujourd'hui? Où sont les voyageurs? Où sont nos voyageurs aujourd'hui, bien-aimés? Tout ce que nous connaissons, c'est la calomnie, la jalousie, les haines, etc. Voici donc le christianisme. Le vrai christianisme, c'est ça. Ces choses phénoménales, ces choses mystérieuses que l'homme charnel ne peut pas comprendre. Jean dit que moi, Jean, je partais au ciel, j'arrive au ciel, je vois ceci, j'entends les roues, j'entends toutes les familles du ciel. L'apôtre Paul parlait de toutes les familles du ciel. Le gars est allé au ciel, je vais vous... On va revenir dessus. C'est lui qui découvre qu'il y a plusieurs familles au ciel, il y a des races au ciel. Comme il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les blancs, etc. Au ciel aussi, il y a des races. On va revenir là-dessus. Donc, il faut d'abord être en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Quand tu as résolu le problème de la communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que je parle plus en langue qu'en français. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, non seulement je parle en langue, mais je chanterai aussi en langue. Et lorsque vous voyez quelqu'un chanter en langue, c'est un signe de profondeur spirituelle. Pour moi, pour connaître quelqu'un spirituel, je l'entends d'abord parler en langue. Ta manière de parler en langue peut me montrer si tu es en bon terme avec Dieu. La deuxième chose, c'est chanter en langue. Le chant en langue, bien aimé, c'est un signe de profondeur avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ils sont rares, les enfants de Dieu, qui ont le don de chanter constamment en langue. La plupart des chansons que nous chantons à Réma
sont des chansons que je reçois en langue. C'est des chants en langue parfois que j'ai traduit en français. Donc c'est des profondeurs terribles dans la présence de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'amène. Donc il faut, un, l'accomplissage avec l'Esprit de Dieu. Deux, il faut que tu arrives au jour du Seigneur. C'est là-bas que c'est compliqué. Ça demande une consécration pas possible. Ça demande une séparation de mauvaises choses pas possible. Ça demande une exigence, une autodiscipline terrible. Tu dois traiter durement ton corps d'abord. Tu dois être très, très sévère envers toi-même. Sévère envers ce que tu portes. Sévère envers où tu vas. Sévère envers ce que tu manges. Sévère envers ce que tu prends. Je ne prends pas les cadeaux de tout le monde. Non, non. Si tu es un ennemi de Dieu, tu me donnes ta chose, je ne prends pas. Non, non. Je n'entre pas n'importe où. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne tape pas la main à n'importe qui. Il y a tellement d'exigences que le Seigneur m'impose pour être capable de voyager et d'aller jusqu'au jour du Seigneur. Donc ma prière, c'est donc ça. Ce prix, frère, il coûte cher. Arriver là-bas, non, non, ça coûte cher. Excusez-moi, ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Arriver jusqu'à ce point, arriver jusqu'au jour du Seigneur, vous allez voir que toutes ces personnes étaient des personnes consacrées dangereusement. C'est-à-dire, ils se sont consacrés à Dieu jusqu'à déborder les limites, les bornes. Ils ne vivaient plus que pour Dieu. Toute leur existence n'était plus que pour Christ. Ils ne connaissaient plus rien d'autre dans leur vie que Jésus. Ils n'avaient plus rien dans leur vie que Jésus. Ils ne vivaient plus que pour Christ. Mais toi-même, t'habiller ton habillement, abandonner le mauvais habillement, tu ne peux pas. Tu vas aller où? Tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas. Tu ne sortiras même pas de ta barrière, même si tu... il faut même savoir si tu as la barrière. Tu ne peux pas. Si les moindres choses, tu ne peux pas. Écoutez, bien-aimé, quand vous me voyez autour de moi là, je suis un homme sévère envers lui-même. Sévère envers moi-même d'abord. Je n'ai pas pitié de moi. Hein. Non, je ne me ménage pas. Avec la discipline, je me soumets à une discipline terrible. Terrible. Une discipline terrible. C'est rare de voir quelqu'un, vous voyez, quelqu'un comme moi là, de voir quelqu'un qui arrive quelque part, il est toujours sur place. Tu arrives, tu ne sors jamais, tu es à la maison, tu vas 3 jours dans une ville, tu ne sors jamais. Tu sors seulement pour aller à l'église. C'est difficile. C'est la discipline. Il y a des personnes qui restent chez eux. C'est comme s'il y a les fourmis maniantes qui leur disent toujours sors, sors. Tant que la journée s'est finie, sans qu'il ne se soit promené, pour lui, c'est un peu comme si c'était un suicide. Il y a des gens comme ça qui ont la démangeaison de marcher. C'est-à-dire, même s'il faut seulement aller sortir, marcher. Non. Non. Pour moi, le temps est tellement précieux, il passe tellement vite. Dieu m'a fait comprendre certains mystères du royaume tels que je ne peux pas perdre le temps. Je veux gagner ce temps avec Dieu. Je veux rester avec lui, je veux rester à ses pieds. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux accomplir ma mission. Donc c'est important. C'est très important, bien aimé. Donc ma prière pour toi, c'est que tu comprennes ces choses-ci-là. Et que Dieu t'amène loin. Donc en résumé, la foi vient de ce qu'on entend à Kouo. Et ce qu'on entend vient des rhématos de Christ. Et puis il faut avoir la complicité avec le Saint-Esprit. Comment avoir la complicité avec le Saint-Esprit? Développe tes heures de prière. Ne prie pas 5 minutes, 10 minutes. C'est pas prier là-bas. Tu dois être capable de te mettre à genoux, tu pries 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, quand vous priez seul, ne priez pas en français, priez en langue. Parlez la langue du ciel. Parlez la langue de votre Père. Parlez la langue du ciel. Parle en langue. 3 heures de temps. Parle en langue. 4 heures de temps. 5 heures de temps. 6 heures de temps. Fais-le constamment. Tu verras, tu deviendras dangereux. Dieu va t'amener dans les profondeurs que tu ne comprendras même pas toi-même ta tête, ce qui se passe avec toi. Les gens ne te comprendront pas, toi-même tu ne te comprendras pas. Et prends le temps, lis la Bible comme un malade. Lis la Bible comme si après ta tête va exploser. Ces choses-là vont changer ta relation avec Dieu profondément. Et tu vas commencer à entrer dans le domaine de voyage avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus, habitant de Douala hier. On a commencé notre programme. Vraiment, je vais encore saluer tous ceux qui étaient là hier en Dobon. Parce que pour arriver, pour sortir ici, là, jusqu'à présent, là, c'est le déluge. C'est là, des débordements partout, les rivières, les maisons remplies d'eau. Mais pour arriver à l'église, là-bas, il fallait presque nager pour arriver dans l'église. Les gens traversaient l'eau dans les, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, pour entrer à l'église. Mais malgré ça, les gens sont venus pour honorer le nom de Dieu. Vous connaissez ce que vous voulez. C'est le genre de personnes-là que Dieu aime et que Dieu recherche dans ces générations. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons faire la deuxième phase aujourd'hui, à partir de 16h. Et vendredi à Yaoundé sera atmosphère de mirage. Je vais dire à tous les habitants de la ville, n'ayant de ne pas manquer, Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire grâce. Donc, il faut être là. Et donc, dimanche, on aura le culte de célébration de la rentrée scolaire où je vais prier pour que l'intelligence
que Dieu m'a donnée, la sagesse de Holiab et de Bessaléel, soit posée sur vos enfants. Je mets la main sur tous les enfants. À Yaoundé, ce sera à partir de 7h30 à la Bire et dimanche, le soir à 16h à Douala. Et puis, le dimanche qui suivra, je serai à Bertois pour consacrer aussi les enfants à l'Éternel, le dimanche qui va suivre. Donc, que Dieu soit avec toi, que sa main soit avec toi, que l'Éternel te distingue parmi cette génération au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te souhaite bonne amitié avec le Saint-Esprit et surtout bon entendement de la voix de Jésus-Christ. Shalom, shalom, all of you.